Tu vois, la plupart des gens ne vont pas dans l'arène de la vie parce qu'ils ne veulent pas se battre. La plupart des gens ne se lancent pas parce qu'ils ne veulent pas se faire démolir. Ils ne veulent pas être mis à genoux, mais tu vois, on va te laisser tomber. Que vous soyez sur le terrain ou que vous soyez sur la ligne de touche, vous allez être lâché. Donc au moins, tu es lâché pour quelque chose. Ne vous faites pas renverser alors que vous êtes assis. Tu vois, c'est comme ça que la plupart des gens sont spectateurs dans la vie. Vous ne voulez pas être un spectateur. Je veux vous dire quelque chose que toute personne qui réussit doit faire, y compris vous. Croyez-le ou non, toute personne qui réussit dans ce monde a sauté. Je vais vous dire ce que je veux dire par là. Un jour ou l'autre, vous devrez le faire. Tu ne peux pas te contenter d'exister dans cette vie. Tu dois essayer de vivre. Si vous vous réveillez en pensant qu'il doit y avoir plus dans votre vie que ce qu'elle est actuellement, croyez-le. Croyez au fond de votre cœur que c'est le cas. Mais pour arriver à cette vie, vous allez devoir sauter. Je vais vous dire pourquoi j'appelle ça sauter. Dieu vous a donné à chacun un cadeau à la naissance. Il n'a jamais créé une âme sans la doter d'un don. Sautez, chantez et dansez. Vous devez identifier ce don. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous voyez ces gens dans la vie, quand vous vous tenez sur la falaise de la vie et que vous voyez des gens s'envoler, quand vous voyez des gens s'envoler vers des endroits exotiques, et ensuite vous entendez parler d'eux faisant des choses merveilleuses, peut-être que vous regardez dans la rue et que votre voisin achète une nouvelle voiture tous les ans ou tous les deux ans. Tu sais comment il fait ça? Avez-vous déjà pensé que cette personne a peut-être identifié son don et qu'elle vit dans son don? Identifiez votre don, pas votre éducation. Va faire des études, c'est bien, mais si tu n'utilises pas tes dons, cette éducation te mènera nulle part. Je connais beaucoup de gens qui ont des diplômes et qui ne s'en servent même pas. C'est votre cadeau. Mais le seul moyen pour vous de vous élever est de sauter, passer à l'action avec votre rêve. Et n'évitez pas les endroits où il y a des combats. Mettez-vous au milieu du combat et obtenez quelques coups sur la tête. Se faire mettre à terre pour apprendre à se battre et tenir sa position. Tu vois, la plupart des gens ne vont pas dans l'arène de la vie parce qu'ils ne veulent pas se battre. La plupart des gens ne se lancent pas parce qu'ils ne veulent pas se faire démolir. Ils ne veulent pas être mis à genoux, mais tu vois, on va te laisser tomber. Que vous soyez sur le terrain ou que vous soyez sur la ligne de touche, vous allez être lâché. Donc au moins, tu es lâché pour quelque chose. Ne vous faites pas renverser alors que vous êtes assis. Tu vois, c'est comme ça que la plupart des gens sont spectateurs dans la vie. Vous ne voulez pas être un spectateur. Vous voulez aller sur le terrain, là où se passe l'action, et vous serez étonné après la lutte. Il y aura une période de calme, et les choses commenceront à se mettre en place pour vous. Viens ici, avec ce que tu as. Vous n'avez pas assez d'argent? T'inquiète pas pour ça, tu as le rêve. Vous avez l'idée. Vous n'avez pas assez de ressources? Ne t'inquiète pas pour ça, vous avez besoin d'aide. Ne t'inquiète pas pour ça, vous irez dans l'arène. Quelqu'un vous regardera, sera inspiré et dira « Hey, je peux vous aider ?» Mais si tu es assis dans les gradins, personne ne va te demander quoi que ce soit. Tu dois prendre ce cadeau. Tu dois sauter de cette falaise et tirer cette corde. Ce don ouvre et fournit l'âme. Si vous ne l'utilisez jamais, vous allez simplement aller au travail. Et si tu te lèves tous les jours pour aller au travail, à cet endroit où tu détestes aller, ce n'est pas une vie, non? Tu dois voir ce qu'est la vie. Mais la seule façon de voir ce qu'est la vie, c'est de sauter et de se heurter à un problème. Sois juste honnête avec toi. Lorsque vous sautez pour la première fois, votre parachute ne s'ouvrira pas tout de suite. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est le cas. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu sautes, ça ne va pas s'ouvrir tout de suite. Vous allez frapper des rochers. Vous allez avoir des coupures. Vous allez saigner. Mais le parachute doit s'ouvrir. C'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse. Cette promesse est vraie. Parce que, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas citer une seule chose que Dieu ne vous a pas fait traverser. Et la preuve vivante en est que vous êtes assis ici. S'il ne t'avait pas aidé à traverser ça, tu ne serais même pas ici. Alors pourquoi ne laisserait-il pas ton parachute s'ouvrir?
Il doit s'ouvrir. Tu dois sauter, bien que tu puisses jouer la sécurité et faire face sans les coupures et les larmes. Et tu peux rester sur cette falaise pour la vie en sécurité. Mais si tu ne sautes pas, j'ai une autre promesse que je peux te faire. Tu ne le sauras jamais. Tu ne sauras jamais ce que Dieu a vraiment prévu. Votre Bible dit qu'il vient pour vous donner la vie et vous donner une vie plus abondante. Si j'étais toi, je sauterais, parce que c'est le seul moyen d'accéder à cette vie. Tu dois sauter. Tu dois prendre le risque. Ouais, mais j'ai des factures. Tu sais, que tu restes sur la falaise ou que tu sautes, tu auras des factures. Si je quitte mon emploi, je ne pourrai plus payer mon crédit. Mais si tu as un travail, tu vis de chèque en chèque. Mais si tu as un crédit en cours, tu ne peux rien acheter d'autre. Faites-vous une faveur. Allez voir ce que Dieu fait vraiment. Que Dieu te soutienne, mec. Il ne va pas te laisser tomber. Il vous a amené jusqu'ici. Fais-toi une faveur. Avant de quitter ce monde, saute. Saute juste une fois. Vous méritez de gagner. Vous méritez d'avoir de grandes choses dans votre vie. Il y a eu un moment dans votre vie, quand vous étiez petit, où vous avez su que vous alliez devenir quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous a fait sentir spécial? Comme quand tu étais un petit garçon ou une petite fille. C'était peut-être ta grand-mère, ta mère, ton père, un professeur d'école, un entraîneur. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie? Il savait qu'il y avait quelque chose en vous. Je me fiche de savoir ce que c'était. Je me fiche de savoir qui c'était. Chacun d'entre nous, dans notre vie, a eu ce moment. Honorez ces personnes avec votre vie, parce que voici ce qui se passe. Depuis que vous étiez ce petit garçon ou cette petite fille, à un moment donné, vous avez ressenti ces sentiments. Prouvez-leur que vous avez raison, car votre vie a une fin et elle arrive plus vite que vous ne le pensez. Hier encore, elle avait 8 mois. Maintenant, elle a un petit ami. Hier encore, j'étais un jeune homme cool. Hier encore, moi et ma petite amie, on marchait sur la plage. Ça passe en un clin d'œil, comme ça, en un clin d'œil. Je me fiche de l'âge que vous avez. Vous feriez mieux de vous dépêcher. La personne moyenne vit 68 ans. Et vous passez 28 de ces années à dormir. Vous en passez 12 à travailler. Si vous ne commencez pas à poursuivre votre rêve, il deviendra vieux, daté et périmé. Parce que vous continuez à l'emballer dans du cellophane, vous voyez? Tu continues à attendre jusqu'à ce que, tu sais, jusqu'à ce que j'en sache un peu plus. Si j'en savais un peu plus, tout ça, c'est des conneries. Vous n'avez pas besoin d'en savoir un peu plus. Tu dois exécuter un peu plus. Tu dois t'y mettre. Tu dois faire des erreurs. La perfection est la norme la plus basse possible. Arrêtez d'essayer d'être parfait. Il faut que tu te dépêches. Le temps s'écoule. Et à un moment donné, tout sera terminé. Et vous rencontrerez ces personnes, les personnes que vous auriez pu aider, les souvenirs que vous auriez pu avoir, les choses que vous auriez pu accomplir, ce que vous auriez pu ressentir à propos de vous-même, les choses que vous auriez vues, les choses que vous auriez faites. C'est ce que tu aurais pu être. J'ai senti que je savais que tu allais être cette personne. Pour moi, le paradis, quand on meurt, c'est qu'on rencontre la personne qu'on était capable d'être destiné à être. L'enfer, c'est que vous les rencontrez chez de parfaits inconnus. L'obsession de ma vie, c'est quand Dieu va me dire « Hey, je suis fier de toi. Je t'ai observé tout ce temps. Tu l'as fait. Tu t'es éloigné du sujet pendant un petit moment. Ça t'a pris du temps. Tu as commencé tard, mais tu l'as fait. Tu as tout accompli. Tu as tout fait. Tu es devenu l'homme que tu étais censé être. Je ne fais pas les choses en fonction de ce que je ressens. Je fais les choses en fonction de qui je suis. Et chaque décision que je prends me rapproche de Dieu. C'est le baromètre de votre façon de penser. C'est le baromètre de la façon dont vous vivez votre vie. On se rapproche de la personne que l'on savait capable d'être à un moment donné. Je vous promets que Dieu sait ce que vous êtes capable d'être. Vous avez été mis ici pour faire quelque chose de grand dans votre vie. Tu as été mis ici pour gagner. Vous avez été mis ici pour aider les autres avec de petites et avec de grandes manières. Vous n'êtes peut-être pas célèbre dans le monde entier. Vous ne valez peut-être pas 100 millions de dollars, mais il y a un destin que vous êtes censé accomplir. Il y a des gens que tu es censé aider. Tu es censé faire de ta vie ce qu'il y a de plus spécial pour toi. Votre vie précieuse, votre belle vie, votre âme, vos dons, votre différence. Et si votre destin était d'être cette personne que je viens de décrire,
Je veux que tu gagnes. Gagner ne représente pas des centaines de millions de dollars, mais vous devriez aller en chercher. Combien de fois t'es-tu dit que ce serait différent cette année? Combien de fois avez-vous commencé des régimes? Combien de fois vous vous êtes dit « c'est mon année, je vais commencer cette année en force ». Je vais aller au gymnase. Je vais aller manger correctement. Et deux semaines plus tard, que faites-vous? Vous vous êtes menti à vous-même. Vous l'avez dit il y a deux ans. Vous avez dit l'année dernière. Vous l'avez dit cette année. Et l'année prochaine, vous allez dire la même merde. Nous nous regardons dans le miroir et nous nous disons la vérité. Nous regardons nos vies. Nous nous disons la vérité. La vérité est la suivante. C'est très simple. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Soit vous êtes vraiment prêt à faire un changement, soit vous ne l'êtes pas. Peu importe le nombre de vidéos que vous regardez, peu importe le nombre de cours que vous prenez, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire. Vous devez prendre la décision de ne pas être comme tout le monde. Vous n'allez pas vivre comme eux. Vous n'allez pas manger comme eux. Tu ne vas pas boire comme ils boivent. Tu ne vas pas faire le genre de travail qu'ils peuvent faire. Et puis, tu dois le faire. Tu dois le faire un jour à la fois. Et tu te réveilles demain et tu fais la même chose. Tu te réveilles le mercredi et tu fais encore la même chose. Tu te réveilles le jeudi, tu fais la même chose. Et quand vous arrivez au point où vous gagnez tous les jours et que c'est automatique, devinez ce qui se passe. Gagner devient quelque chose que vous aspirez à faire tous les jours. Gagner devient ce que vous êtes. Je ne suis pas très compétent, mais je suis bien. Chaque année, je suis de plus en plus fort et déterminé. Pourquoi? Parce que c'est dans mon ADN. Je veux avoir du succès. Je veux exécuter. Je veux faire de tous mes rêves une réalité. Je veux faire tout ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc mon appétit augmente, il se renforce chaque année. Je veux plus. Chaque fois que je veux faire plus, chaque fois que je veux aider plus, chaque année je veux être plus audacieux, je veux être le meilleur. Je veux être plus fort chaque année. Et votre appétit va augmenter. Il ne faut jamais se contenter d'attendre et de réfléchir. Et les trucs de planification ne vous mènent nulle part. Est-ce que ça vous a fait avancer jusque-là? Non. En fait, vous faites marche arrière. Vous reculez parce que le monde va de l'avant. Donc si vous restez immobile, vous allez en fait reculer. Alors ne restez pas assis à y penser, agissez. Je me fiche de savoir si c'est petit, je me fiche de savoir si le mouvement est minuscule. Mais faites un mouvement. Allez de l'avant. Et faites-le chaque jour, quoi qu'il arrive. Soyez ce que vous voulez vraiment être, si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment changer votre vie. Ce n'est pas une année où on va faire beaucoup de réflexions, ce n'est pas une année des rêves. Nous ne rêvons plus, nous ne souhaitons plus rien. On ne regarde plus les autres personnes monter dans le manège, on ne regarde plus les gens qui essaient d'échecs. On ne fait plus ça, car c'est notre année. On ne regarde plus et on saute.